je peux vite sauver. Pas demander à toi pour vite sauver. Avec mon Dieu et Guinée, me sauver Haïti. Je ne vais pas oublier. C'est dans le sens ça qui fait que. Et on a parlé de 26 avril 63, il y a toute une série d'événements qui, que, comme nous te dit, nous fait dire que nous n'avons pas capable, comme si nous avons passé sur l'événement. Donc, ça me donne que vous faites moins, est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as quand même un petit résumé? Résumé 63, songez ça qui t'est passé. Le Duvalier, tu fais un attentat sur Duvalier, et puis petit Duvalier, et puis nous connaissons ça qui se suivre. Toute une série de familles disparaissent, toute une série de monde, de famille Benoît, tout le monde sont massacrés, et toute une série de monde par arrêté disparaissent, toute une série d'officiers par les. Et arrêté et fusillé les 19 officiers. Tout c'est pratiquement 26 avril 1963, c'est ça. Et ça vous présentez, je ne sais pas dans l'intervalle, si Nathan Studio a fait nous signe, aussitôt que nous arrivons à résoudre le problème Skype là, nous avons d'autres monde, comme Julien Jumel qui va intervenir là, nous avons Ben Axelès qui va intervenir, et puis Prince Gachensou. Qui pourra intervenir ensemble avec nous. Alors, nous faisons une mise en contexte pour vous au niveau de la date ça, qui est marquée d'histoire pays. Je vous dis à célébrer. Nous connaissons tout, le cadre, toute une série de monde qui a essayé de revivre, faire mon songer, mon dit pas là, époque ça. Et grand pile monde qui a plein dans le pays, je vous dis à. Grand pile jeune qui a levé, qui n'a aucune mémoire de ce qui est passé. Qui ça dictature du Mali a été, ce qui est passé dans le pays ça. Eh bien, c'est ça que je veux dire. Gain on grand messe qui a célébré pour la mémoire tout le monde ça qui disparaît. Et pour le monde songer ce qui est passé dans le pays là et qui qualité massacre qui était fait dans le pays ça après du Mali tu dit était fait on attaque sur les songer la famille Benoît lui-même. Il était presque détruit ça net. Et pratiquement, c'est 26 avril 1963. Mm-hmm. Bon. L'un après le gouvernement du Valais en lui-même, tellement gagné en série d'actes qui posaient et dans le cadre de répression, eh bien, nous avons dit que date ça, son date qui est inoubliable. Et que tout le monde qui a essayé de goûter dans un sens ou bien dans l'autre pour changer la situation dans le pays, eh bien, bon, nous connaissons qu'un pile de monde qui a été victime. Donc, c'est ça qui fait que date, ça a lui-même, 26 avril, là, moi, je pense que c'est une belle initiative que nous prenons pour nous faire mon songer. Est-ce qu'on comprend exactement ça qui t'est passé? Donc, c'est dans ce sens qui fait que moi, je pense que l'émission, hein, et en attendant que nous joignons, comme si de l'autre camarade, Capral, les bails, opinions sur ces questions, hein, moi, je pense que son émission, il faut que nous-mêmes, ici, hein, nous fassions des émissions comme ça pour nous rappeler, Mounio. Parce que, bon, quel est le bail qui est écrit, bien entendu? Mais cependant, il y a tellement de crimes qui étaient faits, il y a tellement de monde qui étaient victimes, tellement de répression brutale qui étaient faites sous le gouvernement du Valier. Hein. Eh bien, bon, moi, je pense que Jean Démission, ça y est réellement important. Et ce n'est pas seulement dans le 26 avril 63. Pour notre chita soli tout, vous comprenez? Moi, je pense qu'on sait de l'autre événement encore, vous comprenez ce qui passait dans le gouvernement du Valier. Nous sommes capables, que, comme si m'a dit, faire des émissions sur de telle sorte que pour nous rafraîchir mes bras, mon Dieu. Récemment, en parlant d'émission qui fait, nous avons fait avec Ben Axelès, Julien Jumel, Prince Gachensou, dans le cadre d'émission, ça a toujours.
et célébration Jacques et Stéphane Alexis. Et 22 avril, là, nous faisons une belle émission spéciale dans le cadre de ça. Côté que nous. Et bel acte est gratifié, nous, de l'expérience avec Jacques. Vous connaissez avec passeport, bel acte, Célestin. Jacques était parti. Et monsieur a raconté que tout un série de. Parole qu'a dit autour de retour de Jacques. Est-ce que Jacques t'es retourné venir faire révolution? Même Jacques Castro qui est débarqué. Est-ce que Jacques lui-même peut simplement retourner dans le pays? Et qui j'aime se expliquer qui Jean et Jacques lui-même t'es tombé et la main régime là. Qui j'aime se sa dernière mémoire le songer le monter sous mu prison parce que Jacques était dans cellule à côté, hein. Il est monté et puis il parle avec lui. Et puis, ces dernières fois que il voit Jacques, il songeait tout, il est venu chercher monsieur dans cellule là. Et l'officier est venu avec là et puis il parle même de Jacques encore. Et bagaille ça, au jeune cap, je dis, il n'y a pas qu'à espérer que quand ça a été, il songe Jacques et Stéphane Alexis. Ouais, c'est des gens qui prennent responsabilité pour assurer mémoire au monde ça et passer à la jeunesse montante et des valeurs de qui parlent permettre vraiment et définitivement faire jonction contre ça qui est passé et pour mieux comprendre et demain. Je ne sais pas si dans l'intervalle nous tout arrivé et t'es fait contact avec Bernard Célestin que nous avons gardé tout à l'heure, Julien Jumel que nous avons gardé, ou bien avec Prince Gretchens nous avons gardé, mais dans l'intervalle nous avons souhaité que nous arrivions à faire contact avec eux de sorte que pour nous être capable de continuer et pour entrer et pour centrer ballon pour porter les contributions et la donne. Mais Jacques, bon, son Jacques tout, mais pas de Jacques Sévérin, Jacques Magloire. Nous connaissons même, en attendant de retourner sur l'événement ça, où tu as fait prison sous Duvalier. Expliquez-nous un peu, ça qui mène en prison. Bon, ça qui mène en prison. Moi-même, c'est. Depuis que j'étais à l'école, la question politique était toujours intéressée. Il y en a l'idée qui n'a jamais sorti dans la tête. Moi, c'est qui ça, qui contribution moi j'ai apporté dans un véritable changement dans le pays d'Haïti. C'est y en a motivation. Moi, c'est y en a l'idée que depuis que j'étais à l'école, on qui t'a bouilli dans la tête. Et naturellement, gagner toute une série de actions qui fait dans le cadre monde qui t'a cherché moi organisé, vous comprenez? C'est ainsi que nous t'ai gagné parti qui t'ai les PEP, parti d'entente populaire qui t'a goumé pour un véritable changement dans le pays. Donc, nous étions en contact avec Patti Sahara. Et puis, nous avons commencé le travail. Ça qui vient de passer, c'est que le gouvernement du Valier, toute fois que y a un monde ou bien un groupe pour poser des problèmes, à questionner le gouvernement, automatiquement son ennemi. Oui. C'est dans ce sens qui fait que. Il est venu arrêter moi. Léo vient arrêter moi. Il m'a mené moi dans la caserne de Saline. Laissez-moi citer le colonel Breton qui tape fait l'appui et le beau temps. Donc, il fait près de 2 à 3 mois dans la caserne de Saline, dans l'interrogatoire. Il y a des choses que j'ai voulu
joindre dans mes mains pour me dénoncer le monde. Je dis Bouton, colonel, non mais fais son pipito avec moi. Parce que bon, moi, à fait de dénoncer mon nom, je comprends que ça m'a bien que moi je balade. C'est un sens ça qui fait que, bon, comme de me faire deux, à toi, moi, une caserne de saline, de torture, vous comprenez, et peut-être moi, l'aime ça. T'es venu tellement gros, je m'arrête devant le miroir, vous comprenez, ça m'a bien, je ne peux pas reconnaître si c'est moi-même, vous comprenez, tellement. Bon. Et de là étant, venu mal en prison. Je voyais qu'on est dans la caserne de Saline et dans la pénitentiaire nationale. Nous fait 3 ans dans la pénitentiaire nationale. Bon. Situation n'est pas meilleure dans la pénitentiaire nationale parce que bon, seul barrage c'est que ou pas de torture physique mais traitement que y a des prisonniers surtout prisonniers politiques yo comprendre c'est un barrage réellement grave qu'on y a là qui gens que moi-même me viens faire sortir dans la prison son bon matin. À mon grand étonnement, je suis venu dans la cellule. Nous avons gagné 3 ou 4 personnes dans la cellule. Ils ont relé moi. L'homme fait ça, il est sorti. Il était bien moyen. Il a bien changé. Rad tout moins. Il a bien rad neuf. Mais nous ne connaissons pas ce qui s'est passé. Et après ça, Bouton fait me connaître que bon, il n'y a pas de lague, mais avant de lague, il n'y a pas de mener à l'aéroport pour faire une déclaration. Je trouve ça bizarre que il n'y a pas de lague, moi ensuite pour aller à l'aéroport pour me faire une déclaration. Et puis, l'Emri vient à l'aéroport. Bon. Il a mis maintenant une machine. Il a gagné 2 ou 3 autres personnes encore qui étaient avec moi, la machine. Là. Et puis, il a tant. Finalement, après 1 heure de temps, une heure et demie comme ça. Il faut faire nos sorties et puis il faut nous monter dans l'avion. Pas de jamais déclaration fait. Pas de jamais aucune déclaration qui fait. Il faut nous monter dans l'avion. Qu'on y a là, avion venu, il vole. Donc c'est un avion, hein. T'es un yon dans prison. Là, ça c'était nous 12. C'est alors que nous commençons à parler pour nous connaître ce qui s'est passé, Donc, ça fait que nous tenons. Il y a la chance que nous-mêmes, 12 personnes, avons été gagnés. C'était un commando. Sauver Haïti.